Bonjour les amis, c'est Mitrapneuma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce d'un sanctuaire, Utokzoki, qui, en toute sincérité, a donné pas mal de fil à retordre. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. Alors le premier, bon ça va, hein, c'est on donne de l'impulsion à la pale, la sphère va se mettre dans son réceptacle, la porte s'ouvre. Jusque-là, tout va bien. Deuxième étape, ça demande déjà plus de réflexion. Parce que si on impulse juste la pale, ben, il n'y a pas assez de pression, de force à envoyer. Donc il faut aller coller ce cube pour que ça donne beaucoup plus de force lorsqu'on va utiliser emprise. Allez. Hop, ça c'est fait. Donc récupérer le cube. Vous le décollez, vous le récupérez. Et on arrive à la troisième phase, celle qui vraiment a été prise de tête. Donc je ne sais pas si les développeurs avaient pensé à autre chose, mais pour avoir testé 20 milliards de combinaisons. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc là, vous allez coller cette planche ici. Encore dans le but de donner une plus grande une impulsion à la sphère. Donc voilà. Et là, un chariot arrive. Et c'est là que vraiment les choses se compliquent. Essayez pas mal de choses. Et la seule qui fonctionne, c'est celle que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire, vous allez placer cette planche sur le côté, ça va faire comme une espèce de tapette. Bon, là, c'est collé au chariot, c'est pas pute. On décolle, c'est pas ça. On veut la coller à la pale. Hop. Vous allez chercher le cube qui va donner plus de force. Vous voyez que ça avance déjà le chariot, donc vous vous mettez dans le chariot. Vous utilisez emprise. Et voilà. Et on arrive enfin à la fin de ce sanctuaire. Alors j'espère vraiment qu'il vous a aidé, parce qu'en toute sincérité, j'aurais bien aimé qu'on m'aide à résoudre ce sanctuaire. Je l'ai trouvé vraiment très très difficile. Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous remercie par avance et à très très bientôt les amis. Bye bye!